Bonjour et bienvenue sur One Up to Play. Aujourd'hui, on va vous parler des Funko Astronico. Aujourd'hui, nous avons également une invitée spéciale, Calixa, qui est un autre membre de notre famille ici. Et Calixa est une grande fan de Hatsune Miku, comme tout le monde à la maison. Et Calixa, qu'est-ce qui est particulier avec elle? C'est qu'elle collectionne les figurines Hatsune Miku. Et aujourd'hui, on a décidé de vous présenter les Funko Pop qu'elle a, qu'elle possède. Premièrement, Isaac, dans sa main, tient la version régulière. Très, très belle figurine. Vous voyez, elle a tous ses accessoires, son micro, ses écouteurs. Cette version-là est quand même disponible en magasin. Vous pouvez la trouver. Calixa, elle, dans ses mains présentement, elle a la version très limitée. Vous voyez, elle est transparente avec plein de brillants. Très jolie, hein, Calixa? Ouais. En fait, c'est pas mal. C'est la même Hatsune Miku, c'est juste avec le plastique qui est comme plus transparent et brillant. Ouais. Mais très, 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 très difficile à trouver. Nous, on l'a vu qu'une seule fois dans un magasin spécialisé en Funko, Funko Pop. Sinon, on l'a jamais vu. Il y en a plusieurs autres qui existent, les jumeaux, les jumelles, les amis, donc d'autres Vocaloid. On va sûrement mettre la main dessus. Ouais. Et pour aujourd'hui, je crois que c'est tout. Mais on va avoir d'autres vidéos sur la collection, le reste de la collection Hatsune Miku de Calixa. Elle a des Figma, elle en a vraiment beaucoup, beaucoup. Vous allez voir, elle a même une Lika Hatsune Miku, très difficile à trouver. Donc sur ce, à bientôt, bonne journée!